Salut à tous. Donc nous voici dans le 7e donjon. Putain, enlever un papier de bonbons à une main, c'est chaud quand même. Voilà. Alors. Ah, t'as juste parade? Merde. Donc là, vous allez voir pourquoi j'aime bien ce donjon. Vous voyez une espèce de tombe là. Si on monte, voilà. Et si le feu s'éteint, ça nous téléporte à l'entrée du donjon. Donc c'est une malédiction d'un fantôme en fait. Donc on peut aller que là. Sinon, on n'a pas le temps. Et ouais, c'est une malédiction et la tombe que vous voyez, il faut l'atteindre pour pouvoir. Moi, je peux parler là. Ouais, ils font trop de bruit. Ça. Donc ouais, il faut que j'atteigne la tombe. Attends, je vais vous montrer ce que ça fait. Là, on n'a pas le temps de remonter en haut. Tac. Il faut que j'atteigne la tombe pour annuler la malédiction et pouvoir passer. Donc ce original. Dans Edge's, il n'y a aucun truc comme ça, et c'est bien dommage. Donc ouais, j'ai des bonbons, mais attention, parce que des bonbons, j'en bouffe une fois tous les 5 ans. Hein. Enfin, heureusement, sinon je serais putain de gros. Mais donc ouais, en fait, c'est des bonbons pour Halloween à la base. Alors écoutez bien ça. Mon père les achète pour les gamins du quartier. Pas pour moi, hein. Moi ils s'en branlent. C'est pour les gamins du quartier. Il achète des bonbons aux autres, mais pas à moi. Hein. Et enfin, je vous l'ai dit. Et ce qui est énorme, c'est que je pars en vacances chez ma mère. Et donc. Et donc du coup, bah, les bonbons ils les auront pas parce qu'on sera pas là, donc du coup je les bouffe. Je vais me faire chier ça. Enfin, ceux qui sont trop bons, c'est caramel au chocolat, mais c'est trop bon. Les gamins les méritent pas. Ah non, pas ça. Alors ça, c'est chiant. Vous avez compris, il faut mettre une statue sur le bouton. Mais en fait. Ah bah, j'ai eu du cul. Il n'y en a qu'une qui est la vraie en fait. Ah non, en fait, j'ai pas eu le cul. Enfin, il y en a qu'une qui bouge pas en fait. Il faut trouver laquelle pour la mettre dessus. Bon, c'est celle-là. Alors évitez de toucher les autres. Sinon, elle s'anime, hein, vous avez vu. Voilà. Bon, je risque peut-être de me perdre un peu. Hein. Ça, c'est juste un tapis pour nous emmerder, parce que de toute façon, on peut remonter. Ah oui, je me rappelle de ça. Sympa aussi. Vous allez voir pourquoi j'aime bien le gant. Ça fait des bonnes petites énigmes. Merde. On peut pas. Merde, bon, faut bien préparer le truc. C'est le bleu qu'il faut utiliser. Voilà. Ah oui. Ça fait chier aussi. Ah ah. Oh non. Oh non. Oh, je me rappelle de cette énigme. Elle est horrible. En fait, faut mettre toutes les statues sur les trucs, sauf celle du milieu. Et en fait, quand on appuie sur une, ça rapproche les autres. Il faut trouver le bon ordre. Donc ça a l'air super simple. Mais c'est chaud, sérieux. C'est pas moi qui suis forcément con, enfin si, un peu, mais... mais c'est quand même chaud, quoi.
Donc ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas commencer par celle-là, sinon voilà, t'es foutu. Alors comment trouver le bon ordre? Fais en sorte qu'il y ait un trou par ici. Oh, j'y crois pas. Coup de peau là. Au pif. Yes. Bon, ça on peut pas, faut avoir le tap-cap. Bon là, hop. Pour l'instant, je vais encore prendre un bonbon. Voilà. Putain, orange. Même pas ceux-là, là, ils sont à chier, putain. Voilà. Ah, et ça, j'en rappelle aussi. Ça, c'est chiant. Bon, tu t'ouvres, toi. Ah. Donc là, vous allez voir. Il faut. Voilà. Ouais. Voilà. Voilà. Comme ça, on sait où est le. Le trou, donc juste après ça en fait. Donc là, si je fais ça, je pourrais pas parce que ça bloque. Donc on va faire demi-tour et faire en sorte de passer par-dessus. Voilà. Je me trompe pas, c'est ici. Et voilà. Donc ça, c'est des ennemis invincibles, l'espèce de soleil là. Donc, vous voyez, l'âne rouge permet de les tuer en un coup. Et voilà. Bon, on va aller voir du côté, ouais, par là. Merde, j'ai plus de clé. Mais attendez, j'ai plus de clé, c'est quoi ce code? Hein, je vais aller chercher quoi dans le coffre? Toi, je m'en rappelle déjà plus, merde. Je l'ai bien ouvert le coffre. Bon, il devait pas contenir la clé là. Ah ouais, la carte peut-être. Bon. Bon, là on peut pas, vous avez compris. Il faut annuler la malédiction encore. Ok, là c'est pareil, on peut pas. Alors à partir de la marque, 1, 2, 3 en bas, 1 à gauche. Ouais, non, je suis con. Là, je tombe dessus. Hop, original. Et voilà. Vous voyez, donjon pas très dur. Hein. Enfin, je veux dire, dur niveau pour se perdre, quoi. Bon, alors, le pire, c'est que ça change à chaque fois, là, quoi. Alors là, si ça c'est pas de la poisse. Donc pas la peine d'utiliser des bombes, le bon niveau de marche. Hein. Je le savais pas au début parce que j'avais joué à Aegis en premier. Mais il n'y a pas le bon niveau de dedans donc. Ne vous emmerdez pas avec des bombes quoi.
fantôme. Merde. Ah bah d'accord. Je viens de comprendre. Faut se dépêcher d'allumer les 4. De toute façon, on a l'anneau rouge et le truc, donc faire super gaffe. Ouais, mais ils sont brisés. Du coup, on peut passer là. Une clé encore. Alors eux ils sont en métal, c'est ça qui est fun. Ça c'est vraiment fun quoi. Voilà, maintenant ils peuvent bouger. Je me rappelle de cette énigme qui est un peu chiante d'ailleurs. Voilà, maintenant que ça peut tourner. Merde. Maintenant que je sais qu'on peut sauter deux cases avec la plume, j'essaye tout le temps alors que c'est putain de risqué. Voilà. Voilà, attention, je tente un truc de fou. Ouf. C'est bon. Ouais, ça sert à quoi ce truc? Ça sert à rien du tout. Je tentais de traverser ça. Putain, c'est bizarre, j'ai toujours pas la cape depuis le temps. Ah, désolé si je parle bizarre des fois. J'ai déjà un bon moment. Oh le con. Je sautais trop tard. Bon. Ils vont pas me saouler. Voilà. Je tente. Merde. Chier. Putain. Bon, au moins on les a tués. Putain, pas trop tôt. Merde. Donc là, vous avez compris le but. Hein. Faut voir le bon timing. Putain, mais... Je suis en ignorable. Voilà. Putain, mais... Connasse. Salope. Mais putain! Là, là, quand tu crèves ici, ça te fout la rage le truc. Putain, mais. Toi, mais. Je vais te défoncer. Putain, t'as compris là? Putain, en plus, c'est ultra simple le truc, mais je trouve. Mais je prends une braille là. Je prends trop con là. Thank you.
Putain, ah bah enfin. Voilà, maintenant on peut sauter. Ça remplace la plume. Trois fois, on peut planer aussi comme ça. Donc ça c'est un des objets que j'adore quoi de Seasons. Et en plus, avec la... Putain, elle est où? Fais gaffe. Avec la graine Pégase, plus la cape, on peut en temps normal faire 5... ouais, je crois que c'est ça, 5... 5 cases comme ça. Et en se mettant bien au bord, je crois qu'on peut en faire 6. Ou peut-être plus, enfin, je sais plus. Donc ça c'est fait. Où est-ce qu'on va aller maintenant? Là on est déjà allé. Ouais, je crois que c'est là. D'ailleurs je crois que le boss d'ici est un peu chiant. Enfin, je dis un peu mais il est très chiant en fait. En fait c'est... Il n'y a pas de tactique particulière pour le battre. Enfin moi j'en connais pas. Nickel. Non là c'est moi là. Je suis trop con. Maintenant qu'on a la cape, on peut passer là. Voyons voir. Alors eux, il faut tous les tuer. C'est des ennemis ultra chiants. Mais vu qu'on a l'anneau rouge et la machin, on peut les tuer à un coup maintenant. On peut aussi les attirer avec ça. Enfin, de toute façon, vous les avez déjà vus hein, normalement. Viens là. Putain. Putain, mais arrête de te tourner là. Viens. Ah. Ah, elle m'a saoulé celle-là. Ouais, c'était une femelle en fait. Tout au fond. 5 cases sur le. Ok. Ça c'est assez chaud. Vous allez voir. Voilà. Et bien sûr, ça revient. Ça revient ici pour nous emmerder quoi. Allez, j'aimerais que la vidéo soit pas trop longue non plus. Voilà. Donc ensuite le but. C'est de faire tomber, voilà. Voilà. Donc n'oubliez pas de le faire avant de tomber, ça serait con. Et nouvelle clé. Et on se quitte ici. Allez, à plus.